Les films racontent l'histoire d'un anthropologue qui cherche son père disparu pendant la guerre civile guatémaltèque. Et puis un jour, il y a une femme de nord du pays qui vient lui demander de sortir son mari qui a été tué dans un massacre. Et à ce moment-là, lui, il voit son père sur une photo et il se lance tête la première pour chercher le mari de cette femme et son père. Et dans ce parcours, il va trouver que son histoire personnelle est un peu plus compliquée que ce qu'il pensait. Parce qu'il y avait un lien personnel à mon histoire personnelle. Et parce que finalement je suis né au Guatemala et que j'avais envie de raconter cette histoire qu'on ne connaît pas finalement. Et parce que je pense que la recherche du père et la recherche des origines nous touchent tous et qu'on a tous besoin de savoir d'où on vient, qui sont nos parents. Et c'est pour ça que j'avais envie de raconter ça, pour qu'on puisse se retrouver autour de ces sujets et qu'on puisse avoir un dialogue avec les films. Voilà. Je pense que ça montre les blessures ouvertes qui laissent une guerre civile et un génocide comme celui qu'il y a eu dans ce pays. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ces blessures? Comment ça réconcilie? Comment ça se soigne? Comment on arrive à continuer à vivre ensemble alors qu'on a 200 000 morts là-dedans, quoi. Pour moi, c'était important aussi de montrer ça, effectivement. En fait, pendant longtemps, les films s'appelaient Uspantane, qui était le nom du village où j'ai entendu pour la première fois cette histoire du massacre. Les films s'est développé pendant 5 ans. Évidemment, en 5 ans, les choses ont changé au village, donc du coup, on ne pouvait plus tourner à cet endroit-là. Donc tout le travail que j'avais fait avec les gens, avec les femmes, etc., tombait à l'eau. Et donc j'ai dû chercher un autre village avec une histoire similaire. Et donc, avec la fondation, on avait une sorte de cartographie du village qui avait été touché par la violence. Et donc, je suis allé chercher dans ces villages-là un village qui pouvait convenir au film. Et moi, je suis tombé sur les charmes de ces villages-là parce que les jours où je suis arrivé, les femmes m'ont pris par la main et m'ont amené à l'endroit où le massacre avait eu lieu. Et elles m'ont raconté tout ce qui s'était passé. Donc voilà, les soldats sont arrivés là, il s'est passé ça, ici. Et il y avait une telle dignité, il y avait comment dire, une telle volonté de raconter et une telle nécessité que ça soit réel et que ça s'oublie pas, que je me suis dit, c'est ici, c'est ces villages-là que je voudrais tourner et c'est avec ces femmes-là que je voudrais le faire. Et donc à partir de là, on a établi un dialogue avec la communauté, avec les femmes. Et puis ils nous sont accueillis, ils nous ont laissé tourner. Mais au début, c'était vraiment la rencontre avec ces femmes et le fait qu'elles me racontent tout comme ça, de cette façon-là, qui m'a fait choisir l'endroit pour tourner. Moi, je pense que ça l'était au cœur, dans la mesure où, effectivement, la première fois qu'elles m'ont vu arriver et qu'elles m'ont raconté cette histoire, maintenant cette histoire elle est vue par des milliers de personnes. Et donc elle va être connue finalement. Et on va dire que c'est l'aboutissement de leur démarche de m'avoir raconté pour la première fois l'histoire de massacre. Je pense que ça les tient à cœur et que finalement ça va créer aussi un débat. Enfin, pour moi, le plus important, c'est que ça crée un dialogue et un débat sur qu'est-ce qu'on fait avec les morts, qu'est-ce qu'on fait avec les blessures, comment on se réconcilie, comment on apprend à vivre ensemble. Et puis voilà. Si j'arrive à faire ça, je suis très heureux. Armando Espitia avait déjà joué dans un film qui a eu un certain succès, qui était à Cannes, je pense, en 2015, non, 2000, enfin, par là, qui s'appelle Ellie, de Amat Escalante, qui est un réalisateur mexicain. Tous les deux, ils sont mexicains, en fait, parce que au Guatemala, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de comédiens, donc il faut aller chercher ailleurs. Et enfin, la rencontre avec eux, ça a été assez.
je pense que c'est un cliché, mais c'était assez magique dans la mesure où la première fois que j'ai rencontré Armando, il était en train de lire un roman sur un général italien qui revenait en Libye pour chercher ses troupes qui avaient été enterrées par les Libyens. Et donc l'obsession de ce général était de retrouver ses corps. Et puis on commence à parler du roman, qui est un roman assez connu. Donc du coup, et il me dit, mais en fait, moi, je suis obsédé par ces corps, je suis obsédé par cette guerre en Bosnie, parce que en Bosnie, il y a tous ces cadavres et tous ces corps, tous ces gens qui ne trouvent pas la paix. Et là, je me suis dit, c'est quand même dingue. Enfin, c'est quand même dingue que cette personne-là, qui connaît rien. En plus, je disais rien du scénario. Enfin, il n'y avait rien, il ne sait rien. Au début, c'était juste des rencontres avec des comédiens et dans lesquelles je leur posais des questions un peu dures, un peu idiotes aussi, du genre, quel est le rapport avec ton père? Quel est le rapport avec les deuils? Quel est ton rapport avec ta mère? Quel est le rapport avec la guerre? Enfin, j'imagine que pour les comédiens, ça devait être assez bizarre. T'as un gars en face de toi que la première chose qu'il te demande, c'est « Alors, comment ça va avec ton père ?» Donc, Et avec Emma, c'était assez fou parce que elle avait lu, je pense, une scène. Et elle est venue, elle m'a dit, c'était elle qui est venue me voir. Elle m'a dit, mais en fait, toi, t'as un rapport très fort avec cette histoire. Mais toi personnellement. Et là, j'étais complètement déstabilisé. Je lui ai dit, c'est un peu mon histoire. Elle m'a dit, mais oui, ça sent parce qu'il y a ci, ça. Et puis, je me suis dit, bah, cette femme, elle a une sorte de... Elle a senti les choses. Et je l'ai laissé rencontrer très tôt, en fait, dans les castings. Et après, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et finalement, je suis revenu à cette première rencontre. Enfin, Virginie, je la connais depuis très très longtemps. Et puis, je pense qu'une grande partie de ce qu'on voit à l'écran, c'est grâce à l'équipe, en fait. Parce que j'ai eu. Parce qu'on avait un très bon rapport aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette hiérarchie de moi, j'ai dit tout, je commande, et puis vous la fermez. Et puis, ouais, enfin, non. Il y avait un dialogue avec vraiment tout le monde. D'ailleurs, par exemple, il y avait plein de fois, il y avait des prises où je ne la validais pas tant que je n'avais pas le regard de Virginie, que je n'avais pas le regard de Pierre, ou que je n'avais pas vu Vincent. Enfin, il y avait plein de moments où j'attendais pas la validation, mais les dialogues qu'on sent quand on se dit « mais est-ce qu'on ne peut pas chercher mieux? Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas ?» Et tout ça, ça s'est construit parce qu'on se connaît bien, parce qu'ils sont passés beaucoup de temps avec moi, parce qu'ils croyaient aussi dans ce projet, et ils ont cru jusqu'au bout, parce que les conditions n'étaient pas... Enfin, c'est quand même des conditions dures. Enfin, dans ces villages, on faisait quand même beaucoup de routes, enfin, c'était très loin, on dormait ailleurs. Enfin, et je pense que je les remercie énormément parce que sans eux, j'aurais pas fait le film, quoi. Donc, je suis très content d'avoir eu cette équipe. Et je la prends pour le prochain, mais je le signe sans problème. Et le travail que Manu Desboissieux a fait après, Manu est comme un... quand on va sa console, c'est comme un A380, mais il est là en train de chipoter sur ses boutons. Il est super. Ça fait une grande responsabilité, ça fait une grande émotion, parce que moi je voudrais représenter la Belgique de la meilleure façon possible, et je pense qu'on est très fiers de le faire. On est très fiers de le faire avec un film en espagnol, un film fait par un Belge venu d'ailleurs, comme on aime dire. Et moi je suis très fier, très, très honoré et très ému aussi de pouvoir faire ce parcours et faire ce parcours avec tous les gens qui m'accompagnent, enfin, avec l'équipe du film, avec aussi la fédération, enfin, et tous ces gens qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas qu'ils existent, mais qui sont là, qui m'accompagnent. Et je passais beaucoup de temps à la fondation qui fait ça. Pour moi, chaque fois qu'il y avait un crâne qui était posé, il y avait un être humain qui arrivait, enfin, qui était là. C'était plus des os, c'était quelqu'un. Et avec Virginie, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à comment rendre cette sensation qu'on avait sur place, comment la rendre pour le spectateur. C'est pour ça qu'on
dans ces minéraux et on regarde comment on construit un corps. Parce que j'avais envie qu'on voit l'être humain surgir. Et je pense que c'est poétique aussi parce que du coup, quand on donne le statut de quelqu'un à ces os, on leur rend un peu de l'humanité qu'ils ont perdue par la façon dont ils ont été tués. Et c'est pour ça que je trouve que c'est, si le message passe comme ça, c'est qu'on a réussi à créer quelque chose pour les rendre poétiques, justement, ces rapports aux os et ces rapports à un être humain qui existe et qui est là et qui cherche à faire la paix, quoi. Enfin, avoir la paix avec lui et avec sa famille, quoi. J'ai écrit un prochain Enfin, j'ai adapté un roman aussi, mais j'ai écrit un prochain qui se passe à Bruxelles. Et je suis très content de tourner en Belgique, de tourner à Bruxelles, et de ne pas devoir partir avec 800 kilos de matériel à l'autre bout du monde et pouvoir le faire là, en fait. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me dire qu'est-ce qui marche dans les films. Je pense que ce qui marche dans les films, c'est il y a un rapport très honnête au sujet, de ma part, et il y a un rapport très sentimental, émotionnel, en fait, avec ça. Et donc, j'essaie de garder ces mêmes rapports au nouveau sujet que j'écris et de me dire, donc voilà, pourquoi j'écris ce film, quelles sont mes motivations, mes intentions. Et puis je pense qu'il y a toute la relation mère-fils qui me travaille et qui me tracasse et qui est un peu le sujet du nouveau film aussi. Donc du coup, c'est ça que je pense que ça crée de l'émotion aussi chez les gens. Et c'est ça que j'aimerais continuer à faire.